Ok, ça se bat, ça se bat. Et eux, il a mis un coup de... Je descendais, et descendez du véhicule. Il va me faucher. Descendez. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les petits potes. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les gilets jaunes. Donc vous avez été très nombreux à me demander un deuxième épisode. Donc voilà, c'est fait. On se retrouve aujourd'hui avec la gendarmerie mobile. Et aujourd'hui, j'espère que ça va bien se passer, mieux que la dernière fois. Oula, il y a déjà quelqu'un qui s'énerve là. Il y a quelqu'un qui veut forcer le barrage. Donc aujourd'hui, les petits potes, on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes meurtrières, on va dire. On n'a que des tasers au cas où. Attendez, il y a un gars qui force là ou quoi? Il y a un gars qui essaye de forcer. Ok, bah qui s'amène, vous allez voir. Je vais le recevoir. Donc aujourd'hui, on est là pour garder la rue parce que là, apparemment, les manifestants veulent accéder à un bâtiment politique. Donc on a ordre pour le moment de ne pas les laisser passer. Mais peut-être que ça va évoluer par la suite. Peut-être qu'on va les escorter jusqu'au bâtiment, on verra. On verra comment ils réagissent, s'ils sont sages ou pas. L'autre, il va arrêter de klaxonner là derrière. Je vais aller le choper. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une éclipse ou quoi? Bref. Donc les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et surtout de vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Bon, je vais aller voir le gars là-bas, là, qui arrête pas de klaxonner. Là. À mon avis, il veut forcer le barrage. Ah, j'ai pas d'armes. Ok, bah je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai pas d'armes, mes petits potes. Bon, allez voir ce qu'il veut, lui. Arrêtez de klaxonner comme ça, là. Bonjour, monsieur, gendarmerie, là. Vous voyez pas que c'est bouché, vous pouvez pas passer. Et regarde, il a défoncé sa voiture. Vous êtes complètement taré, monsieur. Et... Ah, mais ils essayent tous de forcer, là. Non, mais. Il va descendre, lui. Eh monsieur, monsieur, descendez, descendez du véhicule, là. Il va me faucher. Descendez là. Descends, dépêche-toi toi, dépêche-toi à sortir. Mets-toi au sol. Au sol, dépêche-toi. Voilà. Merci pour les applaudissements. Merci, je fais que mon boulot les gars, C'est pas la peine de m'applaudir. C'est normal. Allez hop. Monsieur, vous allez me suivre là. Venez là. Non. Relevez-vous, monsieur. On n'est pas en Amérique là. Relevez-vous. Vous allez venir avec moi, monsieur. Voilà. Eh ben, première arrestation déjà. Je vais m'occuper de lui après. Regardez ce qui arrive, monsieur, quand on essaye de forcer. Allez hop. Lui, il va venir avec nous. De rien, merci. C'est bon. Je fais que mon travail, là. C'est pas la peine de l'applaudir. Oui, il a voulu forcer, lui. Il a voulu forcer le barrage, là. Allez, hop. Lui, on va le mettre au chaud. Allez, monsieur, montez dans le véhicule, là. Bah, montez. Voilà. De l'autre côté, bah, comme vous voulez. Allez, hop. Oh, mince. J'ai cassé la porte. Oh, les gars, j'ai dégondé la porte, bordel. Bon bah, c'est pas grave. Regardez, il a un paintball, lui. On n'a pas d'armes meurtrières aujourd'hui. On a mis des paintballs, du gaz lacrymogène et tout. Au cas où ça tourne mal quand même. Aujourd'hui, on est pacifique, les gars. Donc j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un gars qui essaye de forcer, là. Ah bordel, on a les chiens aussi. On a les chiens qui sont là. D'ailleurs, je vais pas trop m'approcher parce que j'ai peur qu'ils me sautent dessus. Bon, en tout cas, les amis, merci pour ma dernière vidéo que j'ai faite là sur les gilets jaunes, là, juste avant celle-là. Elle a fait énormément de buzz, les petits potes. Je suis même passé à la télé, donc c'est pour vous dire. Je ferai une vidéo où je vous explique tout ça, où je vous explique tout ce qui s'est passé autour de cette vidéo. Je la sortirai, je pense, la semaine prochaine. Et merci à vous pour tout ce soutien, tous ces commentaires qu'il y a eu dessus. Et merci pour tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne.
Donc là aujourd'hui les gars, on est là pour maintenir l'ordre aujourd'hui et on a l'ordre de bloquer la rue là parce que derrière il y a un bâtiment politique. Donc on a ordre de laisser passer personne pour le moment. Peut-être que ça va changer d'ici là. Mais pour le moment on bloque tout. Donc on va surveiller que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement. Et qu'il n'y ait pas de forcing. Parce que ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça se bat, ça se bat! Et oh, oh mince, je suis tombé! Bordel, je suis tombé! Oh oh! Eh madame! Mettez-vous au sol! Mettez-vous au sol! Non mais dis donc! Mets-toi au sol, je t'ai dit! Ça se bat là! Tu fais quoi là? Mets-vous au sol tous les deux là! Allez hop! Allez hop! Par contre, je suis tout seul là, ouais. Heureusement que personne m'a vu. Là. Ça a forcé là. Ça force là ou pas? Quelqu'un qui se fait percuter, je crois bien, non? Oh le bordel, là c'est ça le chantier. C'est ça le risque de bloquer les routes, les petits potes. C'est qu'il y en a qui sont énervés et qu'ils foncent dans tout le monde. C'est ça le souci en ce moment. Pourquoi ça fume comme ça là? La vache. Non, c'est qu'il accélère lui, il va péter ses pneus là. Bon, messieurs, dames là, je vais vous relâcher là. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris le poteau. Levez-vous, madame, je vais vous aider à vous le relever là. Hop là, levez-vous, voilà, hop. Je vais vous enlever les menottes. D'accord? Vous repartez de votre côté là. Allez hop, circulez madame. Monsieur, c'est pareil là, relevez-vous. Et remontez sur votre moto là. Allez. On va dire que j'ai rien vu aujourd'hui. Bah revenez là, si vous avez les menottes encore. Reculez madame. Vous appelez un taxi, d'accord, ok. Allez monsieur. Remontez sur votre bécane là. Et allez-vous-en. Oula, il boite lui. C'est pris un sacré coup. Il s'est fait défoncer par la meuf, le gars. La vache. Hop, hop, hop. Faut pas... Attention, madame, là. Faut pas rester là, là. Elle est folle. Elle. Bon, voilà, une bagarre qui a éclaté, les petits potes. Mais il est là, lui. La vache, il boite. Il s'est fait défoncer, lui. Ah, oula, attention, qu'est-ce que c'est que ça? Vandalisme, oh là, oh, ça je vais prendre, ça je vais y aller faire un tour. On va aller faire un petit tour là-bas. Il m'en faut trois là, venez un de vous trois là s'il vous plaît. Hop, parfait, allez venez messieurs, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Apparemment il y a des petits malins qui essayent de casser là, il y a des casseurs. On va aller les ralentir un petit peu là. Allez c'est parti. C'est parti, on y va, alors attention. Laissez-nous passer, s'il vous plaît, les gilets jaunes, là. De toute façon, il n'y a personne, aussi. Allez, qu'est-ce qu'il fait, le camion, là? Il essaye de bloquer, là, aussi. Lui, par contre... Donc, on reviendra tout à l'heure, hein, sur place, là. Vous surveillez les gilets jaunes. On fait juste une petite inter, là, en attendant. Voir ce qui se passe, là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula, ah, c'est ici. Ah, oui. Ils fracassent la voiture. Ouh là là, il fracasse la voiture. Oh, descendez. Mince. Je vais pas faire grand chose avec mon extincteur. Messieurs, la gendarmerie, mettez-vous au sol. Ok, ça se bat, ça se bat. Il a mis un coup de... Il a mis un coup de pied de biche dans la tête. Mets-toi au sol, toi. Il veut m'attaquer, lui. Reste au sol, toi, reste au sol. Au sol, au sol, au sol. C'est bon, Maurice, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il va au sol, il va au sol. C'est bon. Oh, calme-toi, Maurice, calme-toi. Non, calme-toi. Il va y refoutre un coup, il va y refoutre un coup. C'est bon. Bordel, il va... Ok, il est au sol. C'est bon, les gars, c'est bon, arrêtez. Arrêtez, bordel. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites, là? Bon, ils sont au sol. Mettez-vous à plat ventre, hein. Restez à plat ventre, les gars, là. Sinon, ils vont vous taper. Bon. Je pense qu'il faut...
Ils leur ont fait mal, là. Les gars, qu'est-ce qui vous a pris, là, bordel? On avait dit pas de bavure aujourd'hui, là. Bon, bah, je vais appeler les pompiers, là. Les pompiers arrivent, messieurs, hein. Restez à plat ventre, surtout, bougez pas, parce que là, mes collègues, ils sont énervés, là. Ah, ils se sont fait chauffer toute la journée avec les gilets jaunes, là, donc voilà. Mais bon, ils ont pas mis des gros coups, hein. Vous inquiétez pas, les gars. Ils vont bien. Ils vont bien, les pompiers arrivent. Ils sont où? Oula, ouh, oh le lol, le deux roues. Oh la vache. Le gars, il maîtrise, hein. Vous avez vu le deux roues qu'il a tapé, le gars? Bon, messieurs, occupez-vous des deux hommes qui sont à plat ventre, là, s'il vous plaît. Et nous, on va repartir sur le lieu de blocage, là. Faut pas que ça dégénère de trop, là. Bon. Bah, c'est pas très une grosse réussite, notre intervention. Putain, les gars, ils ont tabassé les... En même temps, ils ont voulu nous frapper avec leur pied de biche, hein. Donc, faut réagir, quand même, hein. Il fallait qu'on réagisse. Mais bon. Après, ça reste un jeu, les petits potes. Hein. On peut pas tout contrôler non plus. Il est où le point de contrôle? Il est là. Allez. On va mettre le deux tons. Bon, nous voilà revenus ici. Donc, les amis, on va faire un truc qui se fait pas normalement. Vu qu'ils ont été plutôt sages, les gars, là. On va en prendre une dizaine et on va les escorter jusqu'au bâtiment où ils veulent aller, là. Ok? Donc, les amis, je vous annonce pour vous récompenser, les gars, là. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On va vous escorter une dizaine jusqu'au bâtiment pour montrer qu'on est avec vous, les amis. Pour preuve, d'ailleurs, je vais enlever mon casque, là. Hop. Hop là, je vais enlever mon casque, je vais mettre mon képi, mon calot, pardon, c'est un calot ça. Et je vais en prendre une dizaine, donc il y a une dizaine qui me suivent et on va aller au bâtiment. Allez, suivez-moi. Ah, il y a les collègues gendarmes qui arrivent pour vous escorter. Vous remarquerez que les gendarmes, ils ont aussi le gilet jaune, hein. Donc, allez, on va voir qui c'est, on va avancer, est-ce que ça suit, ok, vous laissez passer les gars, on les laisse passer, poussez-vous un petit peu, est-ce que ça suit là, alors on va voir qui c'est, la gendarmerie aussi a suivi, ok, parfait, bon alors attendez les gars. Bon, les gars, on va aller au bâtiment, là, politique, où vous voulez aller. Vous êtes une petite dizaine, là. Donc, vous faites pas le bordel là-bas. De toute façon, il y a les gendarmeries mobiles aussi là-bas. Donc, on est gentil de vous laisser aller là-bas pour vous faire entendre au plus près de... Voilà. Mais on veut pas de soucis. Allez, on y va, vous me suivez dans le calme. On va passer ici. Ça suit. Oula, oui, il y a une belle troupe. Belle troupe qui nous suit, là. Une belle troupe qui nous suit. Entre les gendarmes et les manifestants avec leurs gilets. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une belle image qu'il faut retenir, les petits potes. Ok, on arrive, là. C'est bon, tout le monde est là. On arrive, les gars. Alors, je vais les prévenir, d'ailleurs, parce que... Allez, on est arrivé. De toute façon, ils sont prévenus. Je les ai prévenus en radio. Donc, ils arrivent, hein, les gars. Ils arrivent tous. Hein. Donc, restez calmes. Ils sont là, voilà. Ils vont gueuler un petit peu. Mais bon. De toute façon, on est là pour maintenir l'ordre. Vous pouvez crier comme vous voulez. Là, ils sont là-haut, là, dans les bureaux. Et je pense qu'à mon avis, ils vont vous entendre. Bon. Bah, les amis.
sur cette belle image, moi je vais vous dire à très vite, hein. Pour une prochaine vidéo, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et tout. Et n'oubliez pas de vous abonner les petits gars. Allez, on se dit à bientôt. Allez, salut.